Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui, après avoir marqué ici un point bas proche du précédent, ici sur la zone des 1.1184, et bien revient ici sur la zone des 1.1252. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que cette zone qui avait été dans un premier temps support avant d'avoir été franchie est désormais devenue résistance ici, qui a été testée une fois puis deux fois selon cette configuration. Attention, on a eu une succession de points bas ici qui restent baissières, mais le fait que l'on revienne deux fois ici sur cette même zone peut, en cas de franchissement, nous amener un signal de consolidation relativement puissant. Donc pour demain, il faudra vérifier que cette zone ici de 1.1252 ne soit pas franchie à la hausse. Si c'était le cas, eh bien on validerait ici le changement de polarité que nous avons sur cette configuration, puisque là où nous évoluons pour l'instant ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure, on vient de marquer ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle semble désormais s'imposer comme zone de support. Donc si on casse ici la zone des 1.1252 à la hausse, on pourrait valider ce retournement de tendance et revenir ici dans une zone entre ce niveau horizontal et la zone des 1.1354. Concernant l'or, nous sommes toujours dans une dynamique plutôt baissière, puisque nous évoluons toujours ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, malgré le fait que l'on ait du mal à franchir ici cette zone de support qui se situe ici à 1288 $ l'once. Donc pour l'instant, on se stabilise ici au-dessus de cette zone de support mineure, mais la dynamique ici reste baissière puisque nous évoluons toujours ici sous cette moyenne mobile exponentielle. L'inversion de tendance interviendrait si les cours repassaient ici au-delà des 1298.50 $ l'once, mais en attendant, on reste ici avec une perspective de retour possible sur la zone des 1264 $ l'once. Concernant le WTI, depuis la rupture ici des 57.80 $ le baril, je vous indiquais un objectif possible ici sur la zone des 62.66 $ le baril. Cet objectif était visible depuis quelques analyses déjà. Eh bien, nous pouvons constater que après un rallye haussier relativement fort qui avait permis la rupture ici d'une zone intermédiaire des 60.30 $ le baril, eh bien, les cours du WTI sont venus chercher cet objectif d'une manière assez direct. On peut même d'ailleurs penser que si les cours valident ici un petit mouvement de retournement, eh bien nous pourrons repositionner ici cette zone plus proche ici des 62.90 voire 63 $ le baril. Donc nous sommes toujours ici dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. L'intensité de celle-ci peut justifier ici un petit mouvement de consolidation en direction des moyennes mobiles, mais donc la dynamique tant sur le court que sur le moyen terme est confirmée à la hausse. Le prochain objectif de cette dynamique haussière se situe sur la prochaine zone majeure à 64.30 $ le baril. Et puis enfin, concernant le Bitcoin, hier j'attirais votre attention ici sur le fait que nous ayons eu une forte poussée haussière. Ce mouvement ici s'est fait d'une manière assez technique. Alors nous avons eu dans un premier temps ici une poussée qui est venue chercher 5120 $. Cette zone a d'ailleurs matérialisé ici une résistance sur les 5080 $. Après un, deux contacts, eh bien on est venu ici casser cette zone et valider donc la poursuite du mouvement. Donc actuellement, la probabilité est un retour ici sur la zone des 5800 $. Et par rapport ici à l'intégralité de cette dynamique, nous étions déjà dans un mouvement de retournement, puisque je vous avais indiqué ici suite à ce point bas que nous étions sur une évolution de points bas relativement haussier, que nous avions ici une petite dynamique qui s'était
qui s'était mise en place. On a validé la rupture donc des 4340 et on est désormais sur un signal de retournement majeur avec donc possibilité ici de revenir sur la zone des 5800 points, mais dans un cadre plus large ici sur le moyen terme, l'objectif est un retour ici dans le range qui se situe entre 6150 et 6790 $. Donc a priori, ce mouvement haussier auquel nous assistons aujourd'hui n'est qu'une première étape vers un retournement de la dynamique moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour la formation trading algorithmique et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.